Salut le bande. Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi. Tu le sais. Alors, évidemment, je vais parler des législatives. Mais tout d'abord, je me remets à peine de mes AVC. Donc, j'ai toujours des problèmes de diction. Il va falloir faire avec. Ce que je conseille peut-être, c'est d'écouter cette vidéo en 1.5 ou en 1.75. Voire en deux, je parle lentement et ça t'évitera d'entendre tous les accrochages que je fais avec ma diction. Alors, on va parler évidemment de l'Assemblée, on va parler des législatives et on va parler de qui bordélise in fine l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, et d'ailleurs, Macron l'a rappelé dans son discours. J'espère que ce discours comptera dans les temps de parole et que l'ARCOM sera intransigeante là-dessus. Macron a rappelé que la LFI bordélisait l'Assemblée. Moi, je crois que c'est lui qui a bordélisé l'Assemblée, comme jamais, en faisant une dissolution prévue de longue date. Je vais y revenir. Mais surtout avec un délai de dépôt des candidatures tellement court. Alors pourquoi je pense que c'est prévu de longue date? Pour plusieurs raisons. D'abord, il gouvernait sans majorité. Hein, il gouvernait avec les décrets présidentiels, il gouvernait avec le 49-3 et avec quelques rares alliances qu'il pouvait obtenir. Grâce au FN, au RN, par exemple pour la suppression ou le rétablissement de l'ISF, le RN a voté contre, comme Macron par exemple, ou l'augmentation du SMIC, le RN a voté contre, comme Macron. Donc, à des rares occasions, il trouvait des alliés pour voter avec lui dans l'Assemblée, mais sinon, c'était ingérable. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est évidemment les européennes. Il s'est pris une claque magistrale. Mais ça, c'est le prétexte officiel, en fait, de sa dissolution. Troisième raison, c'est l'endettement de la France. Il a vidé les caisses. Il nous a surendettés. On a des agences de notation qui nous dégradent, qui nous rétrogradent, je ne sais pas comment on dit. La bourse, d'ailleurs, s'est écroulée immédiatement après son annonce. Et puis, il y a une autre chose, c'est que je crois qu'il ne sait pas comment s'en sortir avec sa folie guerrière. Il a pris conscience, ou on lui a fait prendre conscience, qu'il allait trop loin et que, que il était incapable de prendre les bonnes décisions pour le pays. Donc ça, c'est un ensemble de choses auxquelles il a réfléchi, ou en tout cas, il a dû consulter. Et depuis plusieurs mois, il savait qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Alors qu'est-ce qui se passe là? On se retrouve avec bientôt trois choix possibles. Allez, quatre, avec les LR qui vont se maintenir. Mais on va dire trois gros choix possibles. Évidemment, les RN, avec l'armée de clowns qui est en train de le rejoindre. Je pense évidemment à Ciotti. Et puis à d'autres, hein, d'autres. On sait que sous prétexte de sécurité, sous prétexte d'immigration, ça va être infernal pour la vie des Français, de tous les Français, de tous les Français. Il va y avoir des mesures sécuritaires à ne plus en finir, si, évidemment, s'ils sont majoritaires.
Ils ne vont répondre à aucune priorité sociale. Ils l'ont prouvé déjà pendant les 2 premières années de Macron. Ils ne votent pas les avancées sociales. Ils sont contre ça. C'est normal, ils sont du côté de la bourgeoisie, comme ça a toujours été le cas. Comme ça a toujours été le cas, y compris dans les années 20, les années 30 et la fin des années 40, enfin jusqu'à la moitié des années 40, c'est la bourgeoisie qui soutenait l'ultra-droite en France, toujours, toujours, parce qu'ils ont des intérêts. Calmer la population pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est exactement ça. Le RN répond à ça. À comment maîtriser la population pour que la bourgeoisie puisse continuer de faire du fric. Il ne sert qu'à ça, le RN. Bon, ça, c'est un fait établi. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait établi. Donc, on a ce choix-là. Avec une équipe de bras cassés. Ils sont incapables de gérer un pays. Incapables. Alors, j'ai eu l'exemple d'une gestion de mairie. À une époque, j'habitais Toulon. Et le RN, peut-être le FN à l'époque, mais c'est la même chose, avait pris la mairie. Il lui a fallu 1 an et demi pour piller la ville. Et pendant 2 ou 3 ans, Toulon a été mis sous tutelle du département ou de la région, je ne sais plus. Mais ça a été un fiasco terrible de gestion gestion d'un budget. Donc le RN a fait ses preuves déjà de méconnaissance, ne serait-ce que comptable financière. Ils vont piller, évidemment, ils vont prendre du fric, comme ils ont toujours fait, comme ils l'ont fait là pour les européennes. Ils vont avoir pas mal de députés qui vont s'enrichir, mais ils ne feront rien comme ils n'avaient rien fait à la précédente assemblée, où Bardella avait fait 6 propositions en 4 ans. 6 propositions en 4 ans. C'est lamentable. Et comme ça a été un des arguments de Manon Aubry, par exemple, il s'est dépêché d'en déposer une vingtaine de plus, ou même une cinquantaine de plus, on s'en fout. Mais c'est ridicule. Bon, enfin, donc je pense pas qu'ils aient les épaules pour gérer un pays. Ça, c'est un premier truc. Ils sont incapables de gérer l'immigration, puisque renvoyer les gens chez eux, c'est pas sur la volonté de la France, c'est sur la volonté des pays d'origine. S'ils disent non, comme l'Algérie l'a fait, comme le Maroc l'a fait, ou comme la Tunisie l'a fait, eh ben, ils régleront jamais ce qu'ils appellent, eux, un problème. Ok, ça c'est un premier plan. Donc on aura le camp RN avec quelques clowns qui viennent se rajouter à eux. On a eu le grand discours de Macron qui veut créer une ouverture à sa gauche et à sa droite. Donc sa gauche, c'est les vieux socialistes, évidemment. Et à sa droite, c'est les quelques résistants LR qui ne veulent pourtant pas, ils l'ont dit, s'affilier au RN ni à Macron. Donc ça va être compliqué pour Macron d'avoir une majorité. Et puis on le sait, là il a fait 15% aux européennes, il va se prendre une fessée aux législatives, comme c'est pas possible. Donc ok, voilà, ça c'est le deuxième choix, avec une politique identique, parce que moi je crois qu'il sait plus comment faire. Il a compris, il a vu ses limites, les limites de ses capacités à gérer un pays. Et puis il y a le fameux nouveau Front Populaire. Alors j'ai vu plusieurs vidéos des gens de gauche qui sont un petit peu méfiants, voire beaucoup, beaucoup méfiants. Et je comprends leur inquiétude parce que on a fait le test. Déjà en 2012, avec Mélenchon et les communistes,
Ça n'a pas donné grand-chose de bon. Les cocos sont vite partis. On lâchait le bateau. On l'a vu avec la NUPES, qui a pourtant permis à des partis mourants comme le PS de se requinquer. Et puis ensuite, ils ont claqué la porte pour des raisons insatisfaisantes à mon goût, puisque il s'agissait de parler d'incompatibilité avec Mélenchon. Et ça, c'est pas un argument politique. C'est pas du tout un argument politique. C'est une attaque à personne, qu'elle soit justifiée ou pas. Mais ça ne, en tout cas, ça ne justifie pas le fait de quitter le navire. Bref, ils ont fait ça. Alors, les socialos ont pensé avoir fait le bon coup, puisque Glucksmann a fait 14% aux européennes. Et fort de ça, il voulait imposer son premier ministre, il voulait imposer ses règles. Donc, il est vite sorti du jeu. C'est pas étonnant. Hein. C'est quand même un mec qui est pro-américain, qui est pro-Union européenne, qui est pro-guerre pour l'Ukraine, qui est pro-Israël et le massacre de la population palestinienne. Donc, c'est pas quelqu'un de fiable. Et puis, c'est un libéral. C'est tout simplement un libéral, Glucksmann. Bon, ils ont quand même réussi, malgré tout, à signer cet accord au nouveau Front populaire, qui est plutôt encourageant. Mais évidemment, connaissant les uns et les autres, c'est loin d'être suffisant. J'espère qu'ils vont s'en tenir à un programme restreint pour éviter les embrouilles et essayer de gouverner pendant 2 ou 3 ans hein, sur ce programme-là. Sinon, on le sait, il y a les sociotraites socialistes qui se barreront en cours de route. Roussel dira encore des dingueries. Je refais des phrases parce que je vois que le volume de l'enregistrement part dans le rouge d'un coup. J'arrive pas à maîtriser le volume de ma voix. Les écolos. Eh bien, on sait qu'il y a quelques points de divergence entre la FI et les écolos. Malgré tout, ils pourraient s'accorder sur l'essentiel. Et puis, c'est leur intérêt aux écolos. Hein. Et comme le PC, d'ailleurs, ils ont besoin de postes, ils ont besoin de députés, et leur salut est dans cette union. Sinon, c'est cuit. Vient de se rajouter le ENPA. Alors aussi, ça peut provoquer des problèmes avec le PS. Bon, donc c'est pas gagné. C'est une union d'urgence, évidemment. Il fallait la faire, bien sûr, pour empêcher le RN. Et c'est la motivation principale, particulièrement de la France insoumise, qui ont lâché quand même 100 candidatures au profit du PS. Mais si le but est de faire barrage aux fachos, eh ben, c'était la seule solution à avoir. Pour autant, et c'est en ça que je disais que certains vidéastes de gauche ou des intervenants de gauche sont un peu sur le reculoir, parce que fort de ces possibles problèmes à venir entre les différents partis que j'ai nommés, il va falloir une pression populaire. Alors, les syndicats ont rejoint le nouveau Front populaire, ça c'est pas mal, quelques assos, beaucoup d'assos même, il y a un vrai front qui s'est constitué. Mais c'est pas un front juste pour une signature en bas de page. Il faut que les syndicats mettent la pression, comme en 36. En 36, quand Blum a créé le Front populaire, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est Staline après l'international communiste, c'est lui qui est le premier qui a parlé de Front populaire. Mais Blum a repris ce terme avec les communistes, et une fois la constitution du gouvernement, tout de suite derrière, dans les jours qui suivaient,
il y avait des grandes grèves pour continuer de mettre la pression, parce que c'était un gouvernement d'entente, et jusqu'à quel point l'entente est solide, nous n'en savons rien. Ça, c'est important de le savoir. Alors, évidemment, il faudra une pression de la rue énorme pour faire en sorte que, ben, d'abord pour montrer qu'on est nombreux à croire à cet éventuel gouvernement de gauche, ça, il faudra le montrer. Et puis, pour le rappeler, la feuille de route, là, ils se mettent d'accord sur un mini programme, eh bien, il faudra qu'on soit là pour le rappeler, la feuille de route. Et peut-être pour en rajouter des revendications auxquelles ils n'ont pas eu le temps de penser, vu l'urgence du dépôt des candidatures. Alors ouais, je comprends qu'il y ait des inquiétudes, mais enfin l'inquiétude principale, c'est de voir le parti de Jean-Marie Le Pen et de sa descendance et de sa dynastie, ben, prendre le pouvoir en France, ce qui serait un drame, vraiment un drame. Nous verrons bien, c'est compliqué, c'est une situation très compliquée, ne serait-ce que par les délais de mise en place. Mais je vois que chacun a ses problèmes, les trois grands camps ont des problèmes. Espérons que la gauche unifiée s'en sorte mieux, plus vite, et il va falloir aller tout de suite sur le terrain, immédiatement, dès maintenant d'ailleurs. Dès l'annonce de la dissolution, il fallait être sur le terrain. Il y a quelque chose de rassurant. Il y a eu près de, peut-être plus de 2 millions de voix, de votants aux européennes. Et LFI a récupéré 1,8 million votants supplémentaires par rapport à 2019. Donc il semblerait que les nouveaux électeurs qui se sont déplacés pour les européennes soient plutôt de gauche. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, aujourd'hui, on a un bloc RN Ciotti, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler le bloc des pitres, ce sera plus simple. À pas loin de entre 35 et 40%. Parce qu'avec Zemmour, l'entente n'est pas faite et elle ne se fera pas, je pense. Mais en tout cas, allez, on va dire 35%. Je pense que Macron fera ses 15% habituels, pas plus. Et ben il reste, hein, il reste encore de la marge. Les LR vont prendre 5, donc ça fait 20 plus les 35 de l'autre, ça fait 55. Ben il reste 45% à gratter, à minima, pour l'union de la gauche. Ça donne pas, ça permet pas de quoi gouverner, mais ben il y a 3 ans à tenir, 3 ans à faire des propositions qui seront peut-être parfois acceptées par les socialistes qui ont suivi Macron, ou par les LR s'ils pensent que les propositions sont justes. On verra bien. La France va devenir ingouvernable pendant 3 ans, faisant en sorte que la gauche soit très très forte. Et pourquoi pas espérer une majorité, pas relative. Parce que ça s'appelle une minorité. Macron nous a fait croire qu'il avait une majorité relative. Non, il avait une minorité, c'est tout. Donc une majorité, c'est 50% plus 1. Donc c'est possible, mais c'est possible aussi à l'extrême droite. Hein. Ça, on ne va pas se le cacher. J'ai l'impression qu'on est mieux préparé, qu'on est déjà sur le terrain et que c'est possible, c'est possible. Voilà. Si ce que je t'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur taisez-le. Sinon, bah, j'espère à la prochaine. Salut.